Merci beaucoup, Chaitouane. Effectivement, c'est parti pour le premier match décisif direction Hawaï, les amis. Que se passe-t-il? On me souffle quelque chose dans l'oreillette. Qu'est-ce qu'il y a? Trop d'enthousiasme de ma part, peut-être, Adibo? Mais nous, on vous entend. Nous, on nous entend, en fait. Ah, c'est juste qu'on n'a pas activé nos micros, a priori. Bonsoir, tout le monde. Bonsoir, merci, Paris. Trop d'enthousiasme. Adibou, on s'est fait censurer instantanément par la production pour ce premier match, je le disais, qualificatif. Alors, Chaitouane a bien fait de le rappeler. Il y a deux matchs à gagner pour ces deux équipes pour pouvoir bien valider le billet pour Hawaï. Mais Paris Eternal, Washington Justice, quel régal. Une équipe de Paris Eternal, Adibou, en forme sur ce Summer Showdown. Une équipe de Paris Eternal, championne en titre également du Summer Showdown, face à une équipe de Washington Justice à plusieurs visages, j'ai envie de dire. C'était il y a plus d'un an, mais on garde quand même le titre, la ceinture de champion jusqu'à ce qu'elle soit défaite. Mais Paris Eternal a montré de très très belles choses au fur et à mesure de la compétition. Le renfort de Dridro, notamment Khan, le super rookie qui arrive à faire la différence à de maintes et maintes reprises, et un style de jeu Paris qui déjà, avant que ça devienne une mode depuis, on va dire, cette dernière semaine, jouait déjà du Hammond notamment. Et là, c'est ce qui a été prisé, plébiscité. On l'a vu ce matin dans la conférence Est, et on l'a vu aussi hier du côté des Washington Justice contre les Los Angeles Gladiators. Les Washington Justice qui sont vraiment en forme et qui vont très probablement jouer des compositions ultra divesque et qui avaient mis à mal les Glad. Mais les Paris Eternal, ils ont de la ressource, ils sont très polyvalents, et ça ne m'étonnerait pas que le coach Hamaz ait trouvé quelques bonnes parades contre cette équipe de Washington. À commencer par le 6 aligné à Dibou, Onigod, Naga, Dan Vestola, Dridro, Khan. C'est le 6 hein, qui a fait des misères à plusieurs adversaires lors de ce Summer Showdown, et notamment ET Gladiators. Tu le disais, avec cette magnifique remontada, on était mené 2-0, on a remporté le match 3-2. Paris a déjà affronté Washington à Dibou. C'était lors des joutes de juin, une équipe de Washington Justice qui n'avait pas montré son visage le plus séduisant. Je crois que Diken n'était même pas titulaire à cette époque, et Paris Eternal l'avait emporté 3-0, mais en 5 cartes. Diken ce soir est aligné. Là aussi, du côté de Washington, on sort la Dream Team, si ce n'est qu'on peut toujours faire rentrer Tuba en position de main support si on veut jouer de la Brigitte. Ouais, Tuba, anciennement joueur DPS, qui s'est reconverti, et finalement il peut jouer de la brigue, il peut aussi sortir un Lucio, et oui, donc c'est à l'image de pas mal de joueurs, enfin pas mal, j'exagère, mais de quelques joueurs en tout cas qui n'hésitent pas à changer leur dynamique et leur façon de jouer, et c'est ultra impactant puisque Washington, en tout cas dans cette nouvelle version, eh bien arrive ici à quelques mètres de son ticket d'or pour Hawaï, même si la marge d'après sera évidemment énorme puisque ça sera Dallas Fuel qu'il faudra venir booter. Et on verra également si la malédiction d'être premier et deuxième va toujours s'abattre, puisque pour le moment, eh bien, à chaque fois qu'on trust le haut du panier, on est éliminé et on n'arrive pas à prendre son ticket. Bon, après c'est Dallas, ça devrait bien se passer pour eux. Pour Atlanta, il y a un point d'interrogation, mais ça reste une équipe en très grande forme. Et des équipes en très grande forme, on en a là maintenant tout de suite entre Paris et Washington. On se donne rendez-vous du côté d'Oasis. Et on démarre sur l'Université Zoroid. Ouais, les cartes de contrôle qui sont pas forcément le fort hein, de Paris Eternal, qui n'a malheureusement qu'une trentaine de pourcents, 33%, et on n'a jamais gagné Oasis. On l'a joué deux fois cette saison, l'a toujours perdu, alors que du côté des Washington Justice, eh bien le taux de réussite est plus élevé, 63% sur les cartes de contrôle, et 3 victoires, une seule défaite sur Oasis. Donc la marche est déjà haute pour Paris Eternal, que Hamaz qualifié de diesel. On a de temps en temps du mal à rentrer dans le match, mais là ce soir, pas de pression, on n'est pas forcément favori, et c'est que du bonus. Le Summer Showdown, Adibo, est d'ores et déjà réussi pour Paris. Allez, let's go, le premier kill qui est important. Il n'y a pas de main, il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas de mur à Kyrostas pour éviter de se faire charger par ce diable de mag, et finalement on va tomber dans le trou, mais récupérer peut-être un petit pack de soins histoire d'être sûr d'être vraiment à 250. Derrière, ça continue de dérouler, les Washington Justice sur les compositions rush, on n'en a pas parlé. Paris Eternal est très 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 ok dessus. Washington Justice, en revanche, à l'image des Florida Mayhem, c'est pas forcément leur composition phare.
Non, et Paris Eternal à Dibou remontait comme des coucous. Hein. Ils sont rentrés dans le lard des Washington Justice. On n'a même pas eu le temps d'activer la cryostase du côté d'Assassin qu'on était déjà mort. Et Paris Eternal qui va pouvoir enchaîner derrière, esquiver son wall, voilà, se replier derrière, peut-être charger, pourquoi pas, la matrice amplificatrice de Khan qui a déjà été forcé d'utiliser son champ d'immortalité. Il a été détruit, mais le premier qui dégaine, c'est Tony God. Naga a envoyé le blizzard à Dibou. Attention derrière Onigod qui commence à se faire gentiment piquer et on s'enfuit du côté d'IK de manière très intelligente. On a perdu des hommes et pour le moment on reste solide. Le choc physique, il est monstrueux de Dan. Impassible à la caméra qui pourtant vient de coucher la quasi-totalité des Justice. Très, très jolie fin en train de la part de Dan. On ne l'avait pas vu venir du côté des Justice alors qu'on avait utilisé la matrice amplificatrice et Tain ulti en moins. Mag un peu plus tôt avait utilisé son choc sismique pour contrer l'agression justement des Paris Eternal. Paris Eternal qui reste en contrôle du point, qui dépasse les 55% mais qui va devoir à Dibou gérer les deux ultis DPS et notamment le blizzard d'Assassin qui va arriver incessamment sous peu. Et l'écran photonique qui va utiliser Naga qui n'aura pas le temps lui aussi de sortir de la mélasse. Malgré le champ d'immortalité de Khan, on a perdu un homme, un deuxième, et il faut s'enfuir du côté de Paris. Rester. Oh, quoique, on peut aussi mourir sur le point, et pourquoi pas essayer de forcer des ultimates, gratter quelques pourcentages, c'est ça de prix, voilà. Et les Washington Justice qui vont avoir quand même énormément d'ulti à faire valoir, légèrement plus que les Paris Eternals. On va en avoir tout simplement 5 là, où Paris va en avoir, allez, 4 normalement, durant le teamfight. Mais c'est sans conteste. Sans attendre le choc sismique de Mag, voilà qui va démarrer, mais on s'enfuit, impeccable. Réponse de Dridro avec un mur du son pour contre-attaquer. Et on se perd, mais on s'est bien coupé en deux du côté de Paris. J'ai peur que ça soit fatal à l'équipe parisienne. Ouais, attention, hein, Khan qui est très très low HP mais qui va se faire sauver par le champ d'immortalité de Khan justement, qui va utiliser également sa matrice amplificatrice et on reste en contrôle du côté de Paris Eternal. On le force les ressources du côté des Justice avec les doubles ulti support, mais c'est trop tard. Paris a récupéré le contrôle, le teamfight est remporté et on va se rapprocher tranquillement à Dibou des 80-85% avec là encore des ulti à faire valoir et toujours ce blizzard d'assassin qui n'a pas encore été claqué alors que Naga en est déjà à son deuxième Adi. Cet écran de Nigod et le mur du son, un poil tardif de closer, c'est dommage. Et tout de suite dans l'agressivité, heureusement on a bien le bouclier levé pour Mag, le téléporteur, histoire de surprendre au niveau du positionnement. Très bon mur de Paris, Dan qui se fait enfermer, le jeu d'immortalité qui évidemment va pop et justement le blizzard qui pourrait arriver une fois que Naga devient congelé. Mais même pas la peine, on perd Dan. Il a envoyé, non. On contre-attaque, mais c'est pas le meilleur du côté de Paris. Ah, c'est pas fini. On a décidé d'investir l'ulti de la Symmetra. On a essayé de clutch du côté des Paris Eternal. On compte cette fois-ci sur les individualités. Dridro qui, pour le moment, survit dans XP. Microwave par le bon DK sur sa Symmetra. On a pris des risques. Adibou, l'ulti de Naga, alors que le teamfight était déjà plus ou moins perdu. En tout cas, Paris était en infériorité numérique derrière l'ulti d'Onigod. Heureusement, on n'est qu'à 50% du côté des Washington Justice. Mais là, on a le Blizzard Advantage. La window également à venir, mais double ulti support potentiel du côté de Paris, donc il y a quand même un coup à jouer, Adi. Ouais, on peut se sauver, mais c'était dur. Le choc sismique de Mag a mis tout le monde d'accord à l'intérieur de la pièce où il y avait le pack de soins. Et ça a fait mal à cette équipe parisienne, les deux écrans qui s'affrontent et on va être très respectueux les uns des autres. L'équipe qui va se rendre du côté de Paris, on va essayer de forcer le mur, voilà, juste derrière le mur du son. Ah, le timing était pas opti et la contre-attaque, une fois de plus, Washington ne se fait pas attendre. Zaro et cette fois-ci Assassin a lancé son blizzard. On est à 86%. Attention, ne pas se désynchroniser davantage pour les Parisiens. Oh, et au moment où je dis ça, Assassin qui trouve le pic à glace. Ah là là, ils ont bien joué le coup, les Washington Justice. Et derrière le blizzard, tu l'as dit, d'Assassin qui a de la value. On va pouvoir peut-être revenir contester du côté de Paris Eternal avec Dridro, dont le mur du son était un poil late. Le blizzard, il est envoyé en max range de la part de Naga, mais il a été absorbé. C'était plus ou moins téléphoné, on l'a fait pas à Fury. Celle-ci, l'autodestruction de Vestola, qui prendra quand même un double kill. Il y a peut-être un coup à jouer avec Dan. Si Dan parvient à temporiser, il pourrait débloquer un choc sismique. Il va falloir se décaler sur la droite, c'est chose faite. Onigod qui récupère le kill grâce à sa tourelle sur Assassin et Paris Eternal. A dit, vous pourrez reprendre le contrôle. Un bébé qui vient tuer Closer, il n'y a personne sur le point. Oh, les Washington Justice sous pression, qui n'ont pas eu le temps d'aller sur l'objectif.
Alors que le teamfight était loin d'être terminé, Zaro, impeccable, après avoir, entre guillemets, hein, gaspillé certaines balles du côté de Paris, et bien là, on a le coup de pouce du destin. Et on peut remercier Washington Justice de n'avoir pas eu le temps de venir contester. On va partir maintenant du côté du centre-ville de carte de mini-carte de map pour les Paris Eternal. Et c'est vrai que Vestola, là, le double à autodestruction, il était ultra clutch. Mais complètement, hein. Lui le dernier venu dans l'équipe de Paris Eternal, lui qui remplaçait Elivot, qui était l'un des maillons forts, malheureusement blessé. Vestola en provenance des British, Hurricane qui fait la différence pour le coup, mais encore une fois c'est collectivement, on sent que Paris y croit, que Paris tente des choses, que Paris joue sans complexe face à une équipe de Washington Justice qui a priori va légèrement adapter sa composition pour ce deuxième round. On va partir sur... Alors c'est pas vraiment une mirror, mais au niveau des DPS, on va avoir un double duel. Tracer, Sombra. Il va falloir contester là du côté de Washington Justice parce que l'espace est d'ores et déjà pris par Paris, Adibou. Allez, Khan qui se parachute, il va falloir lui donner un maximum de pinning hein, parce qu'il va prendre la max. Ah, Naga. Ah, dommage, dommage, mais bien vu pour Assassin. Paris Eternal qui sort la composition justement avec le Hammond plébiscité par la conférence 7. Ils ont le point, mais pour combien de temps puisque le go-in va être... on va dire musclé du côté de Washington. Khan qui a eu le temps de prendre un peu de points de vie. Mais quand on a Brigitte et Zenyatta, c'est compliqué de remonter tout le monde à flot. Ah, il y avait une bonne nade de la part de Bébé qui est pas loin d'avoir son nano boost, mais c'est une map aussi où on peut vraiment temporiser hein, à Dibou, et c'est ce que Paris Eternal est en train de faire hein. On essaie de gagner un maximum de temps. Onigod, la sticky qui va connecter sur Closer, Mac qui s'est fait nano booster mais qui se fait désintégrer littéralement alors qu'on a forcé la transcendance du côté de Khan. Dagn qui pique un stomp mais qui se réveille au meilleur des moments. Assassin qui va trouver le hack sur Onigod, on va récupérer le kill sur la Tracer, le remake de Fury sur le point, mais les Paris Eternal à Dibou restent en contrôle. Ouais, ça se passe bien. En plus de ça, Fury perd son mecha et on va évidemment pas le tuer hein. On va attendre au maximum, pourquoi pas le delay. Il a 56%, prend une petite dose, un petit cookie de la part de Closer, et ça va forcer eh bien Fury à revenir au spawn par la manière forte. On vient de gratter comme ça eh bien une quinzaine de secondes du côté d'Eternal, et on a 4 ultis à faire valoir. Attention toutefois, puisqu'on n'est pas en reste du côté de Washington, et les IUM qui vont être ultra importants. Khan sera évidemment la cible à abattre. Ouais, on va aller le chercher effectivement, le Zenyatta. Ce serait bien de pirater aussi Dridro hein, qui comme tu l'as dit a le rallye. Il a été envoyé, l'IOM il connecte sur la backlane. Naga, le counter UM, ça connecte sur 4, c'est pas terminé. Adibou, il y a une excellente nade sur Dridro qui malheureusement va tomber en plein ralliement. Et Closer lui va pouvoir revenir avec le sien. On a temporisé néanmoins avec l'autodestruction de la part de Vestola, le champ de mine de Dan également qui a été envoyé. Mais Adi, la bonne nouvelle c'est que Paris est toujours en contrôle. On se débarrasse du mecha de Fury, on se regroupe du côté des joueurs de Paris qui une nouvelle fois vont jouer en équipe. Ouh, le shieldbash, il fait mal. Il y avait un clutch potentiel, mais heureusement, suite au pilonnage, on a tout le monde. Ou en tout cas, les survivants qui sont présents, Bébé, dans la précipitation, alors qu'il y avait un rallye en cours, est en train de nano-booster sa Brigitte. 99%, c'est tout ce qu'il faut pour les Paris Eternal. Limite, on pourrait encore forcer le dernier ulti, Dickel, le consommable, la bombe à impulsion, et revenir encore plus fort. Cette fois-ci, on arrive enfin à appuyer sur le bouton stop du côté de la bannière étoilée, mais le coq est bel et bien en très bonne voie pour remporter cette première carte de contrôle à 99%. On vous le rappelle, il suffirait d'un seul team fight remporté pour mener déjà 1-0 dans ce FT3. On timide dans les Washington Justice, il y a de bonnes nades de Bébé, mais ça manque de follow-up du côté du reste de l'équipe. La sticky, Donny God qui va connecter sur Bébé, c'est potentiellement le meilleur kill. Et derrière, par contre, ça n'est pas le cas pour DK et Donny God, le doublé, il n'y a plus de backlane. C'est le moment d'enfoncer le clou du côté des Paris Eternal qui vont bénéficier de la transcendance. Il y a également l'IEM qui va débarquer, Vestola aussi, il va de ses kills. On est en train de contrôler Fury, il faut recap le point maintenant à Dibou. On reste une question de seconde, on va des mecs, on va ensuite éliminer Anasong, on est deux à être présents, le champ de mine pour bloquer l'arrivée des renforts, on a fait quelques modifications, Bébé notamment, et Closer qui vont revenir en Moira, Lucio, et l'IUM défensif, parfait, c'est une question de seconde, le contrium qui ne sera pas assez fort du côté de Washington parce que pas assez de personnes en place, mais on n'a rien lâché puisqu'on est en rage primordiale, très bon piratage toutefois de Naga.
Ouais, Canin qui garde sa transcendance. Hein, pour le moment, Dridro a utilisé son ralliement. Les paris éternels qui empêchent toute contestation sur le point. C'est parfait ce qu'ils sont en train de faire. Un peu de réussite, même si voilà, encore une fois, il y a eu le talent de Vestola sur le premier round pour trouver cette autodestruction et ses deux kills. Et sur ce deuxième round, Adibou, on a été en maîtrise quasi totale jusqu'au 99%. Et ensuite, une à une, on a été gratté les éliminations pour remporter, tu l'as dit, le teamfight nécessaire pour s'octroyer le premier point. Paris qui remporte la map de contrôle, c'est quelque chose. Paris qui remporte Oasis, c'était du jamais vu encore en 2021, Adi. Ben voilà, c'est le début de grandes choses. Faut continuer dans cette mouvance du côté de Paris. On va faire un léger break, évidemment. La pause, vous en avez l'habitude. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de cette rencontre. A tout de suite. Please, my car. My check. Please.
We did. We did it without you. Parfait. What? Okay, we need the mic test. Say white test and then count to 1 through 5. Piggy, go. Mic test, 1, 2, 3, 4, 5. Piggy, mic test. So cute. Piggy doesn't know 5. So sorry, can we have Dan sit properly? His foot's gonna be on the stream, unless you want that. Oh, if we lose, we have to go dumpster, find food. Yeah, we just play BB. I bet three people gotta faint and then we can be done with the run. Okay, Picky, Crimzo. Who's last? Kyle's going down before me. I think I'm not playing dirty. Kyle's lean. Kyle's gonna be trucking him on. I got a lot of gas in the tank, bro. You're going down. You got a lot of gas in the tank. You got a lot of junk in the trunk. You got a lot of gas. Queen! No! Oh, 긴장이 됩니다. 긴장이 돼요. 즐겨. 뭘 긴장을 해. 예, 나기 동안. 긴장의 반대말은 짧을 단. 한긴. 와우. 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 야, 우리 팀 이상해. 평균 나이대가 이상한 것 같은데. 아, 나 진짜 우리 팀이 드립 치는 것 때문에 짜증나 죽겠어, 그냥. 어, 맞아. Don't move. 오케이. Stop clapping my thigh. Stop. Hi, Lawson. Hi, 홍준. Let's go. Hi, Chris. Hello. F*** you, Chris. Yeah. Make sure we don't play scared at all, okay? I saw Piggy near. Like, if we just push it, we kill him. I scared headshot. Don't scare. You're a tank. No. You're a tank player. Oh, hey. You hear my knee popping? Oh, stop. That's normal. I love to drop this guy. Haha. I will. You drop. Nice. Turn your music off before the match starts. Oh, obviously, I'm not gonna put the music off. Why is Piggy turning off his BZ? What is she doing? No, music. Piggy! Hey, Piggy. What are you doing? PC boom. He's coming back. What are you doing? Piggy, what is wrong with you? Why are you turning off? He's coming. L'Overwatch League vous est présenté par Coca-Cola, la boisson officielle de l'Overwatch League. Et par IBM, le fournisseur officiel de solutions cloud et IA de l'Overwatch League. Toujours des très très bons moments, mon Zaroid, que c'est comme check avec Odba et Piggy qui ont littéralement régalé. Et ce qui régale aussi en ce début de rencontre pour les fans, évidemment, de la capitale française, eh bien, ce sont les Paris Eternals Wikimen 1 à 0 et qui ont réalisé leur exploit sur Oasis puisqu'ils ne l'avaient jamais remporté. Exactement, pour les fans français, pour les fans aussi des contenders, pour les fans des outsiders, hein, puisque Paris n'est clairement pas favori. Hein, quand on regarde un peu les deux line-up, on est quand même sur deux projets différents. Voilà, Washington Justice, une équipe de All-Star, Paris Eternal, une équipe d'anciens, de has-been, certains diront, et de rookies surtout, mais une vraie équipe, une vraie bonne équipe, en tout cas une équipe qui fonctionne et qui, sur cette première carte, eh bien, moi, me régale. Adibou, on est sur un loser pick, donc c'est Washington qui va choisir le prochain champ de bataille, et on n'ira pas sur Dan. Dan sera là, mais on va patienter un petit peu, je crois, avant d'avoir la prochaine carte, Adi. Ouais, une question de minute. Effectivement, le Washington Justice qu'on a pas forcément senti très bien, même si finalement dans le duel rush c'est là où ils sont sortis le mieux, malgré une complexité à venir contester le dernier team fight, pour ne pas dire C9. Quand on est passé sur de la dive, en tout cas Winston Diva face à celle de Paris qu'on commence à connaître finalement avec Amon, eh bien on a totalement perdu pied, on n'a pas réellement pu faire la différence, et c'est pour ça que Paris l'emporte. Je pensais que finalement sur quelque chose de très agressif avec Dicky sur Tracer, ça allait
ça allait être plus fort, Washington, en tout cas en ce début de match. Et bien pour le moment, pas du tout. Paris mène. Maintenant, Zaroui, dont le sel et carte de contrôle, c'est un monde à part dans Overwatch. Là, on va aller sur une carte d'assaut qui a aussi ses spécificités. Donc, avant de retrouver sur des choses, de retomber sur nos pattes de manière plus traditionnelle, ça serait pas mal que Paris puisse mener avec une seconde map d'avance. Si vous êtes fan de Paris, bien évidemment. C'est pas mal hein, de partir sur Anamura, figure-toi. Alors Washington Justice ne l'a jamais perdu. Ils l'ont joué uniquement deux fois et deux victoires. Là où Paris a dit l'a joué cinq fois, quatre victoires pour Paris Eternal et une défaite. Pas de Volskaya, pas de Temple d'Anubis. Donc c'est le choix des Washington Justice que de se rendre au Japon. Finalement, et le choix de Paris Eternal a priori d'attaquer en premier. Et au-delà de tout ce que tu as pu dire que je plus sois, j'ajouterais aussi que Paris, en termes de rythme, je trouve est bien mieux que Washington Justice, qui joue trop lentement. Ça avance pas, c'est mou. J'ai l'impression que ça manque d'automatisme. Mais je vais pas dire qu'on a un peu peur, mais on n'est pas spécialement serein, a dit. Et on l'a dit en intro, tout dépendra du visage de Washington Justice. Si Washington Justice joue à 100% de son potentiel, eh bien Paris Eternal a peu de chances de l'emporter. Par contre, si on a une équipe de Washington Justice qui titube un petit peu, eh bien Paris peut clairement s'imposer ce soir. Ils l'ont montré sur la première carte. Il est temps de le confirmer sur la deuxième. Totalement, totalement Zaroïde. Ça manque de rythme pour Washington et pas la peine d'en donner davantage pour Paris qui se la joue chef d'orchestre. Et va partir à l'assaut justement d'Anamura. Vous avez vu la stat hein. On est sur les meilleurs pourcentages de win rate du côté des deux équipes. Et c'est marrant, c'est la touche Getamize hein. Lui qui était préposé aux cartes d'assaut, qui était trop compliqué à gagner pour Eagle. Et bien il en a tellement mangé que maintenant c'est devenu un coach expert en la matière. Et son équipe l'est finalement aussi. Composition rush pour Paris Eternal, mirror total du côté de Washington. Certaines équipes vont sur la hauteur gauche avant de se téléporter. Paris préfère aller sur la droite. Et le mur est pas mal, mais la téléportation voilà, devrait arriver. On vous le voyez, le rayon d'Onigod qui est présent, mais sa DPS fort et le champ d'immortalité qui ne durera pas assez longtemps. Ah, c'est dommage parce que Khan avait envoyé le sien en second et je pensais vraiment qu'on allait avoir un avantage. Néanmoins, il y a eu une très bonne disengage et on a réussi à isoler Magma qui va se faire récupérer. La matrice amplificatrice de Khan a été envoyée. La supériorité numérique est là à Dibou et on a le respawn advantage aussi du côté de Paris. Oh, le téléporteur, la caméra n'est pas allée dessus. Mais non, oh Onigod, il y avait trop de monde qui l'attendait au tournant. Et même s'il y a l'avantage, comme tu l'as dit, numérique, on va revenir quand même au fur et à mesure. Attention de ne pas se faire avoir et de se prendre un étau d'acier proposé par les Washington Justice. Fury qui n'a plus beaucoup de points de vie, mais on va revenir, voilà, comme c'était prévu, les deux tirs qui sont pris, le Blizzard qui est lancé pour Paris Eternal, tout le monde va être pris dedans, ça va être trop tard, mais la contre-attaque se fait également sentir par Justin qui a utilisé le sien. Ouais, mais il y a le champ d'immortalité qui a été envoyé hein, de la part de Khan derrière le mur du son, l'autodestruction aussi, ou en tout cas Vestola est remonté dans son méca. On a le choc sismique de Dan qui malheureusement ne connectera pas. Paris Eternal qui en est à 78%. On a perdu néanmoins son main tank. Eddie Kay est en train de brûler tout le monde à Dibou. Ouais, on se charge sur le bouclier écrophotonique de Washington qui va s'arrêter avant, donc on aura un avantage pour Paris, mais comme on est passé nombreux, on préfère s'enfuir et justement on va être récupéré par la patrouille. Pas discipliné sur ce coup-là, Paris. Espérer encore caler une dingue, mais on s'arrêtera là à 78%. Washington Justice qui a été très smart, qui a été ultra patient, qui l'a joué fino. Mais on était aware quand même, parce que Mac quand il revient, il lâche une charge incroyable et Naga se cryostase en réflexe. Mais sur la seconde phase d'attaque, j'ai peur que l'avantage soit Washington Justice, notamment via le Blizzard d'Assassin, qui va faire mal. Exactement. Et Paris aussi est obligé de récupérer les positions, but contre but. Et Naga va trouver le kill justement sur Assassin. Donc le Blizzard, on ne l'aura pas. Allez, on temporise un petit peu du côté de Paris. Attention à cette autodestruction et surtout ce choc sismique. La téléportation dans le dos de Mag qui a vu la frame. Et qui c'est permet dur à son équipe de remporter le teamfight alors que Paris avait fait le pic à Dibou se débarrasser d'Assassin. Ah, c'est dommage. Ouais. C'est dommage, Naga, il a pas eu le temps de cryostase quand il a vu l'agression de Mag arriver si vite, si proche. Ça sentait le choc sismique, mais on n'a pas eu le temps d'appuyer sur le bouton assassin qui va se venger cette fois-ci. Oh non. Qui va prendre un pic important. Attention, Paris Eternal, si jamais il y a un TP, ça peut aller très très vite. Là, pour le moment, on est bien, on joue les funambules du côté des Eternal. Et le bout peut être fatal. Heureusement que c'est sur Dridro qui va pouvoir s'enfuir comme un prince.
Ah, mais il reste 35 secondes à dire. Et il va y avoir des ressources hein, du côté des Washington Justice. On a le positionnement, les rotations sont particulièrement lentes du côté de Paris qui s'applique, qui décide de go in. La charge de Dan pour prendre l'espace, on force le wall. La countercharge de Mack qui ne donnera rien. Les deux blizzards qui ont été envoyés tout à l'heure, ça a tourné à l'avantage des Washington Justice. On a perdu le main tank de part et d'autre. Le mur de DK a été envoyé. Assassin se débarrasse de Vestola. L'autodestruction, je crois qu'il avait été envoyé, mais surtout les matrices amplifiées. Ah, c'est compliqué pour Paris, il va falloir venir contester à Dibou. Ouais, mais on utilise bien les téléporteurs du côté de Washington Justice. Et personne n'est sur le point. On rend la C9 du côté de Paris Eternal bien trop gentleman sur ce coup-là, alors qu'on arrivait et on allait justement prendre une revanche. En tout cas, Dan, il était chaud, on va pas se le cacher. Et on s'arrêtera à la 78%. Et en n'étant pas forcément... Le maître, le chef d'orchestre, on va dire, du rythme global, eh bien, Paris Eternal, malheureusement, s'enlise, s'en mêle et n'arrive pas à prendre ce dernier tick. 78%, c'est pas mal, mais quand on a 4 minutes, et si Washington arrive à se remotiver et à rejouer avec la même puissance, on va dire, avec la même ardeur, et Paris qui se laisse faire, ça sent le 1 partout. Attention, Paris Eternal, il faut forcer, et continuer à dicter le rythme dans cette rencontre. Ouais, et avoir une bien meilleure value au niveau de l'utilisation des ultis hein, que sur cette attaque. À chaque Blizzard, malheureusement, c'est Washington qui s'est imposé quand on a utilisé les murs du son aussi intelligemment. Washington a réussi dans les phases de rotation, on a vu également, c'est même pas un TP, je pensais qu'il avait TP carrément dans le dos. Mais non, c'est une charge comme ça qui passe au travers. On emporte Onigod sur le passage, on l'empale sur le mur et derrière le petit 180 shatter qui régale. Alors, on n'est pas sur les pics de confort du côté des deux main tanks, hein, les Reinhardt. C'est pas le perso sur lequel ils sont le plus à l'aise. Mais en tout cas, Washington aura bien défendu. Mac qui est un peu plus solide pour le moment, en tout cas sur Anamura, on va tenter de se téléporter sur place ou alors on va prendre une diagonale du côté de DK. Pour le moment, non, on avance tranquillement, vu que Paris a dû s'enfuir pour pas se prendre un mur de mail bien salé. On va aller sur la droite, TP toujours en place du côté de DK, les tourelles qui vont commencer et on va sortir de sa boîte comme des beaux diables. On agresse, on est sorti des deux entrées, plus la téléportation qui est sur la hauteur. Et c'est DK justement qui va en profiter pour mettre un maximum de dégâts avec Anne qui reste en vie grâce au champ d'immortalité. On va pouvoir détruire ceci, on se rend l'appareil, deux morts de chaque côté. Ouais, Paris va devoir tenir. C'est du 3v3. Onigod qui tient debout pour le moment. Il y a la baby diva. Mais le peeling est suffisant. Non, il va tomber. Mais heureusement que Dridro et Vestola ont fait un énorme travail. Dridro, d'ailleurs, qui tout de suite pourrait aller jouer les taxis et faire venir ses coéquipiers plus rapidement parce qu'on a le respawn advantage du côté des Washington Justice. Maintenant, la désynchro est à l'avantage, on va dire, de Paris. Il y a la téléportation aussi d'Onigod. Vite, se replacer. Profiter du wall, du blizzard, de la matrice amplificatrice. Le prochain teamfight à Dibou va être décisif pour voir qui prend le momentum. Ah, la petite feinte qui va bien à moitié encore une fois. On sort des deux côtés. Le blizzard qui est lancé de la part de Naga. Il faut faire des kills, même si l'écran photonique est bon. Mac qui va, voilà, succomber avec son choc sismique. Par contre, ce qui est dur, c'est qu'on a rendu la monnaie de sa pièce. Aïe. Et cette fois-ci, l'avantage est offert de Washington. Le Blizzard qui va passer Vestola à deux doigts de l'absorber. Dridro contraint d'utiliser son mur du son. Ouais, on n'a pas le choix hein, là, de toute façon, sinon le teamfight il est perdu. Mais encore une fois, c'est les Washington Justice qui utilisent les ressources support en second. Et on a commencé à cap parce qu'il n'y a plus de contestation possible du côté de Paris. On va revenir en catastrophe peut-être avec Dridro qui se fait éclater instantanément par Bébé. Et j'ai peur que ce soit terminé. Adibou, la charge de Dan qui malheureusement ne touchera même pas. Il s'est fait boop. Ah, c'est dommage le visage de Paris Eternal sur cette carte d'assaut alors que les statistiques nous disaient en début de match que voilà, Anamura c'était une carte que Paris maîtrisait parfaitement et surtout que le style des cartes d'assaut c'est le style préférentiel en fait de Paris. Alors là, ça ne s'est pas vu, ça s'est pas bien passé. Les Washington Justice ont été plus dominants. Paris, peut-être un poil timide, qui sur l'attaque aurait pu faire monts et merveilles, mais qui en n'arrivant pas à caper ce premier point s'est mis dans une difficulté bien trop compliquée à escalader. Hein, là, c'est encore une fois 78% en 4 minutes. Même mentalement, hein, je pense que ça,
met du baume au cœur à cette équipe des Justice. On revoit cette action qui a été cruciale pour Washington. On va faire un court break, Monzaro, et on arrive pour la suite de cette rencontre. L'Overwatch League vous est présenté par Pringles. Reste dans le game. TeamSpeak, fournisseur officiel de voix sur IP de l'Overwatch League. Et par NetApp, le fournisseur officiel de data management de l'Overwatch League. Allez, on se retrouve avec Adibou pour la suite de ce match. Mais c'est ouvert ou pas?
Allez, on est de retour avec Adibou pour la suite de ce match Paris Eternal Washington Justice. Un partout, après deux cartes et deux visages pour chaque équipe, une Paris dominatrice sur la première carte Oasis et beaucoup plus brouillonne sur Anamura. C'était le choix de Washington Justice qui en a profité et qui a égalisé Adibou. Ouais, douche froide vraiment. On a eu du Harvey Dent de la part des deux équipes. Paris qui semblait quand même bien dans sa game et surtout Washington timide, et bien a arrêté de faire son bébé et est venu taper dans le vif du sujet là et a cassé l'élan des Paris Eternal. Alors l'avantage c'est que ce n'est qu'un partout. Paris Eternal va avoir l'avantage et le choix de la carte, donc rien de mieux qu'une bonne carte d'hybride qu'on choisit afin de se relancer dans la danse, Zaroïd. Ouais. Allez, on est parti sur Hollywood, tu l'as dit. Est-ce qu'on va avoir du changement ou pas du côté de chez Paris Eternal? On a très peu ou pas vu Tsuna ne sera pas là. Onigod et Naga sont certainement les deux DPS les plus polyvalents du côté de chez Paris Eternal, en tout cas ceux qui permettent de jouer différents playstyles. Pas de changement non plus du côté de Washington Justice. Adibou, un coup d'œil sur les statistiques. Du côté d'Hollywood, on ne l'a jamais remporté. Chez les Washington Justice en 2021, deux défaites en deux rencontres. Et côté Paris, c'est une victoire et deux matchs nuls. Ouais. Ou deux défaites plutôt. Une victoire défaites. Et deux défaites. Ouais, donc ouais. Bon. Tout à fait. Le match nul avait été sur Numbani. Et on n'est pas. C'est le pire playstyle. Ouais, on n'aime pas trop. On n'aime pas trop l'hybride, effectivement, c'est là où on perd le plus, juste devant la carte de contrôle, mais il y a eu exploit, donc on peut, voilà, on peut pas en demander plus, hein, c'était déjà pas mal. C'est vrai que l'hybride, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux pour les Paris Eternal. C'est un peu plus avantageux du côté au global, hein, pour Washington, mais c'est vrai qu'Hollywood et Kings Row, tu l'as dit, c'est 0 victoire pour 2 défaites. Donc on va essayer de jouer avec, non pas forcément sa plus grande force du côté des Eternals, mais aussi jouer sur la faiblesse de l'équipe en face. Pour y arriver, en plus de cela, Paris commence en défense. Donc si on fait une belle défense, on va avoir l'avantage psychologique, comme c'était le cas tout à l'heure sur Anamura, pour les Washington Justice. Bref, Paris qui va jouer avec une composition qu'elle adore, avec ce Hammond pluie de balles. Washington va décider de changer son fusil d'épaule et va partir sur de la rush. Décidément, dès qu'on voit cette compo, on change totalement les plans de jeu. Mais la rush de Washington Justice, on vous le rappelle, c'est peut-être pas le meilleur choix, mais en tout cas, dès que ça va au contact, c'est sûr que ça va déglinguer. Oh, elle était anticipée, hein, cette TP front sur Khan qui a pris l'ascenseur, pas d'escalier à disposition pour Washington Justice, et la rotation des Paris Eternal est plutôt bien. Il va falloir recharger du côté de Washington Justice quelques cooldowns. Maintenant on va s'installer sur le point. Il y a un hack qui est passé sur la hauteur sur Fury. L'engage, elle est bonne de la part de Dan. Derrière peut-être le pilot drive. Non, on n'ose pas pour le moment se commit dans cette rush bien paquée des Justice qui ont déjà égrené 50 secondes sur la time bank à Dibou. Ouais, totalement, une minute qui va bientôt s'envoler en fumée, mais on est pas mal dans ce restaurant. Le but c'est de rester paqué, de venir déglinguer le joueur ou les joueurs au sol. Évidemment, Khan, hein, c'est le player à tuer, le Zenyatta a défoncé. Finalement, on change son fusil d'épaule et Vestola qui n'a plus de réacteur, de booster. C'est fait, éclate Zer. C'est une question de seconde avant d'aller encore plus loin et d'enfoncer le clou. Décidément, les Washington Justice sont morts de faim et Naga qui succombe à un petit pourcent de son ultimate. L'avantage c'est qu'on ne se bat pas sur le point, donc on ne capitalise pas et on va pouvoir laisser deux tiers et revenir contester du côté de Paris. Oh la sticky, heureusement qu'elle a été avalée, hein, de la part de Fury. Cette bombe d'Onigod, elle aurait pu faire la différence. Maintenant ça y est, on a capé un premier tiers, 39, maintenant 45% pour les Washington Justice. L'IEM, il a été envoyé de la part de Naga, il faut du follow-up. Le champ d'immortalité, il a été détruit. Est-ce que ça suffit? Dridro s'est débarrassé de Dikem et ça paraît trop peu, quoique Khan va trouver le kill sur bébé. La transcendance derrière pour revenir peut-être à égalité en termes de nombre. Le champ de mine a été popé, ça force un blizzard à Dibou. Ouais, et puis Dan qui est bien stun, réussit à rester en vie. Khan qui monte, qu'il faut pas le chercher en 1v1. Il vient de déglinguer et il faut continuer à pousser. Khan qui s'enfuit, qui se parachute et qui a le peeling du monde entier avec Dridro notamment. On est sur le point, mais on va finalement succomber. Le champ d'immortalité qui arrive un tout petit peu trop tard. Très belle défense et on n'aura même pas laissé de tir. À ton avis, est-ce qu'on n'a pas été trop gourmand à aller chasser trop loin justement du côté de Washington?
Ouais, concrètement, en plus, quand t'as perdu Assassin, ça a posé problème. Et puis surtout, Naga a pu charger son IEM et il y a eu un follow-up suffisant. Gros travail également de Dridro, gros travail collectif des Paris Eternals qui se sont bien regroupés. Le TP directement sur le point. Encore une fois, on utilise l'ascenseur Assassin qui subit de gros dégâts. Le ralliement a été envoyé de la part de Dridro. On contre ça avec le mur du son, mais on n'arrive pas à trouver qui que ce soit. Est-ce qu'on va réussir à split cette équipe de Washington Justice? L'autodestruction a été envoyée. C'est du 1 pour 1 pour le moment à Dibou, mais nouvelle IEM. Oh, l'IEM il est parfait parce qu'il apparaît juste après le champ d'immortalité qui va être nullifié. Piratage Almano, pianote sur les côtes de Monsieur Fury. On va tomber même si on n'est pas forcément avec tous ces points de vie du côté de Paris Eternal. On arrivera à prendre des packs de soins et à survivre. Onigod qui passe sa tête par la fenêtre et qui se prend une Fire Strike directement entre les deux yeux, mais qui reste en vie. Encore une fois, c'est une très belle défense de Paris. On va avoir une bombe à impulsion, ce qui n'est pas énorme, mais surtout une transcendance du côté de Paris Eternal. En revanche, Washington n'est pas forcément très bien. On va avoir le Blizzard et un choc sismique. Le choc sismique, ça peut être vraiment ultra compliqué. Le Blizzard, pour bien le caler, il va falloir être solide sur ses appuis. Ouais, tout à l'heure, Dan l'avait bien bait, hein, le Blizzard d'Assassin. On va voir la rotation, on passe par la hauteur cette fois-ci du côté de Washington Justice. La Sticky qui connecte sur Max, ça force le champ d'immortalité. C'est plutôt bien joué. Naga qui est obligé de recall. Attention à ne pas se split, le bon wall pour empêcher la matrice amplificatrice de Vestola. Mais la transcendance, elle est là et elle est bonne. Et surtout, Onigod récupère bébé à Dibou. Ça c'est pas mal, il n'y a plus de salve régénérante, il n'y a plus de champ d'immortalité. Naga qui prend DK alors que c'est évidemment le gros DPS de cette équipe. Ken qui est sur la hauteur au niveau du restaurant qui met un maximum d'ordre de discord énorme d'harmonie, de destruction. Et on va go in, Dridro qui a envie de jouer au peintre. Pika Dridro qui régale le mur du son pour essayer de contester au maximum. Mais ça semble être fait, quelle défense! Tellement one-sided du côté de Paris comme ça a été le cas du côté de Washington Justice. On a changé de composition, mais vraiment, hein, c'est il y a les B.A.B.A., il y a la théorie qu'on comprend évidemment du côté de Washington, qu'on essaie d'appliquer vraiment le mieux possible. Mais vraiment là, Paris a bien mieux géré. Dommage pour Washington. La pratique n'était pas encore parfaite et là, on sentait qu'on était sur un pic, une composition de confort finalement pour les Eternals. Ouais, et puis surtout Washington a dit, je sais pas ce que t'en as pensé, mais pour moi ils se sont fait un peu balader quoi. À chaque fois leurs engages TP front qui ne connectaient pas, c'était anticipé par Paris Eternal, et quand la situation s'est un petit peu tendue, on a pu compter sur les clutches, notamment de Khan, tu l'as dit, qui a été létal. Dridro qui a été excellent aussi, qui sur sa Brigitte est parvenu à rester en vie, parvenu aussi à se regrouper à chaque fois avec le reste de son équipe. Dan qui a perturbé aussi, qui a dicté le rythme avec son bulldozer en perturbant les déplacements, les engage aussi des Washington Justice. Et puis Onigod qui continue son festival sur la Tracer. Et on comprend un peu mieux pourquoi Tsuna ne joue pas spécialement sur cette méta du Summer Showdown. Masterclass de Paris Eternal qui m'a régalé perso sur le coup. Ouais, c'est vrai qu'on avait senti le coup du côté de Paris, le positionnement était très très bon, et Washington qui lui aussi comprend finalement ses conditions de victoire. Le but c'était d'être au contact, et à chaque fois qu'on a voulu être au contact avec cette composition rush, eh bien on s'est fait tout simplement bait, tu le disais, on s'est fait balader. Ça prouve que voilà, Paris a pas choisi Hollywood pour rien, et que Washington, au-delà de la carte aussi, avait peut-être quelques difficultés avec la composition. On a essayé de prendre un pic direct, un contre direct, mais ça n'a pas fonctionné. Paris maintenant qui va passer sur de la rush, elle aussi légèrement différente, puisqu'on aura une Symmetra à la place d'un Macri. Mais on va jouer sur le même terrain, et tout à l'heure, sur Anamura, ça n'avait pas si bien fonctionné, mais on était sous pression. Donc, peut-être que les choses ici vont s'inverser. Ouais, Paris qui va utiliser la téléportation, prendre position tout de suite sur le point. Attention à Fury qui se retrouve un petit peu split du reste de l'équipe. Paris qui va placer un autre téléporteur, peut-être pour bait. Hein, justement, on a vu Fury tout de suite y aller. On essaie de maintenir l'espace. Attention à Vestola qui se retrouve un petit peu isolé et qui va se faire récupérer. Naga aussi va tomber. Et le premier teamfight va être remporté par une équipe de Washington Justice qui aura bien géré pour le coup. Ouais, très bonne gestion des cooldowns. On s'est regardé dans le blanc des yeux, même si on était sur le point, il y avait assez d'espace pour contester du côté de Washington. On ne s'est pas empalé, on a été patient, et Paris aussi. Et malheureusement, à ce petit jeu-là, eh bien, on a vu qu'Onigod n'avait pas pu
forcément tout le temps viser le shield finalement de Mag et le détruire. Il y avait souvent un mur qui était présent où il prenait tellement de dégâts qu'il était obligé de prendre un petit pack de soins. Donc vraiment bien joué Washington, il va falloir tenir encore eh bien, de nombreux teamfights. Et ça va commencer, on va se couper. Alors ça c'est peut-être le début de la fin. Oh le boop, il est excellent sur Fury qui se retrouve hors de position, bloqué par le wall derrière de Naga. Encore une fois un énorme travail collectif, la prise de position est bonne avec la matrice amplificatrice. On va utiliser le blizzard du côté d'Assassin, on a loupé sa charge du côté de Dan, mais on peut compter sur le champ d'immortalité de Khan, malheureusement insuffisant derrière le choc sismique, contré par le superbe mur du son de la part de Dridro. On a utilisé également les crophotoniques d'Oni God. Paris Eternal est sur le point, Adibou, et le teamfight est encore winnable. Là, on est en train de forcer, mais quand on va aller au contact, ça va être très compliqué. Les renforts arrivent très vite, puisqu'on a le point de réapparition à l'avantage des Eternals. Mais on est obligé d'attendre d'être à égalité. Vestola, malheureusement, qui s'était enfermé avec le reste de l'équipe et qui est obligé de tomber au combat. 1 minute 34, alors que psychologiquement, on a fait le plus dur en défense. Là, en attaque, on a du mal à pousser la cocotte. Dan qui a son choc sismique, Naga qui a son blizzard, donc il y a quand même un petit quelque chose du côté de Paris. Mais c'est loin d'être facile, c'est loin d'être gagné. Téléporteur, ce que j'aime beaucoup en revanche, c'est qu'on change très régulièrement de route. Et ça, je trouve ça plutôt pas mal. Ouais, on varie son jeu et à chaque fois on essaie de prendre position sur le point. On a forcé le wall, derrière il y a une matrice amplificatrice qui va devoir être gérée. Attention à Vestola qui s'est retrouvé très très low HP. On va se regrouper dans le café. Dridro qui est passé à deux doigts de mourir. On a envoyé le bizarre mais il a été avalé. C'est pas possible, et derrière celui d'Assassin va contacter et va connecter surtout à Dibou. Ah, c'est dommage, on l'a vu trop belle, trop facile. Naga il avait vu qu'il était loin le... Elle était loin la diva, mais pas si loin que ça. Et derrière, doublé à l'autodestruction, la très belle charge de Mag. Et on sent les Washington Justice qui ont envie de faire mordre la poussière à ces Paris Eternal. Dan qui a toujours son choc, qui n'arrive pas à l'utiliser correctement. Alors que Mag, lui, à chaque fois qu'il pose son marteau au sol, et bien met toujours, toujours 2, 3, 4 joueurs de Paris manger le bitume. C'est le dernier teamfight, Zaroid. Il va falloir être bon, il va falloir être clutch. On a besoin d'un second, un dernier souffle pour Paris. Ouais, il va falloir peut-être le choc sismique qui va connecter sur deux. Assassin et Fury sont au sol, mais Dike qui en profite pour utiliser l'implacable et potentiellement clutch, le bourreline de la part de Vestola sur le Macri qui va tomber. On a un nouveau blizzard de la part de Naga, mais le mur du son, il est bon de la part de Closer. Il faut du follow-up maintenant du côté de Paris Eternal qui peut le faire. Ils sont en train de pousser, ils vont caper Adi. Ils vont caper Dridro, en plus de ça son mur du son qui va attendre le mettre. Voilà maintenant, puisqu'il y a les renforts qui arrivent avec cette matrice sur la hauteur au niveau du restaurant. On arrive en drift, la tresseur qui va essayer de contester mais qui a tendu au tournant. Ça va pouvoir proc les prolongations, mais ça sera insuffisant. Et Paris, Zaroid dans la douleur, qui mène 2-1. Ouais, Paris qui s'est fait peur à Dibou, Paris qui joue avec le feu, Paris qui fait... le pari de la jouer miroir ou presque, hein, avec la variante Symmetra qui, comme tu l'as dit, varie les déplacements, les téléportations, mais qui s'empale une fois, deux fois, trois fois le blizzard à un moment de Naga qui se fait bouffer par Fury. Mais Naga n'a pas lâché l'affaire. Mentalement, on est solide aussi du côté de Paris Eternal, et sur cette espèce de dernier teamfight, on a finalement pris l'avantage. Paris mène 2-1 et les supporters respirent, Adi. Ouais, ça fait du bien, mais on est loin d'avoir remporté le plus dur. Hein. C'est qu'une bataille, ouais. C'est pas encore la guerre. Et la guerre, ça sera si Paris passe contre Dallas Fuel, pour être totalement honnête. Donc là, il faut remporter plein de petites batailles, au moins 3. Et on ira voir ce qui se passe un peu plus tard dans cette soirée. Mais c'est pas clean, c'est pas limpide. Il faut impérativement se remettre les idées en place et nous proposer un jeu magnifique, comme c'était le cas contre Los Angeles Gladiators. Zaroid, on va passer en pause. On va souffler, nous aussi. Et on se retrouve tout de suite après pour peut-être la dernière carte de cette rencontre. Savourez l'Overwatch League avec Coca-Cola.
Et c'est reparti avec Adibou, balle de match, la première pour Paris Eternal face à Washington. Justice a été compliqué, hein, on l'a dit sur la deuxième map. Anamura, Washington Justice s'est imposé. Ça a été aussi très compliqué, Adibou, pour Paris sur Hollywood. Ah, effectivement, on s'est énormément inquiété du côté de Paris Eternal sur Hollywood. C'était un choix de Paris, mais ça ne s'est pas du tout passé comme prévu, je pense. On a voulu jouer le duel de rush et finalement, même si Washington n'est pas connu, reconnu pour être un spécialiste de la méta, bah force est de constater qu'à chaque fois qu'il la joue, ils mettent en péril ses joueurs de Paris. Donc très très compliqué maintenant de savoir où placer son fusil, quelle épaule, la gauche, la droite. Est-ce qu'on va plutôt passer sur un arc et des flèches? En tout cas, quoi qu'il en soit, on mène 2-1, ça c'est l'avantage du côté de Paris, mais encore une fois, c'est au perdant de choisir sa carte, c'est au perdant de jouer avec soit ses forces, soit la faiblesse de l'adversaire. Et on va aller du côté de route 66, route 66. Je suis sûr, Zaroed, que tu as encore des stats à nous donner ce soir. Invaincu, Washington Justice sur route 66, mais ils ne l'ont joué qu'une seule fois. Et les escortes, c'est le pire mode hein, pour Washington Justice, avec seulement 30% de réussite. Du côté de Paris Eternal, l'escorte, c'est ce qu'on réussit le mieux après les cartes d'assaut. Et route 66, là aussi, on l'a joué une fois et on ne l'a jamais perdu. Donc là encore, Adibou, ça va être tout simplement historique ce soir. Ouais, historique, genre historique pour Paris, ouais. Si on arrive à récupérer cette carte, cette dernière carte, je vous le rappelle, qui leur permettrait d'aller tout simplement affronter Dallas Fuel. Et face à Dallas, ça va être une autre paire de manches. Mais si Paris gagne, ils iront directement à Hawaï. Et la malédiction du premier et du deuxième, eh bien, entrait encore l'Overwatch League. Washington Justice qui va défendre en premier. Avec cette composition qui ne bougera pas, cette composition rush avec DK sur Macri, Paris, quant à lui, pourrait encore changer sa compo. Par exemple, Naga sur Pharah, je veux bien, ça peut être génial, mais j'y crois moyen. Surtout si en face, ouais, y a le Macri de DK, ça va pas forcément être simple pour Naga de s'exprimer. Mais faut pas que Paris se mette à trembler, faut pas que Paris se mette à trop cogiter. Faut pas avoir peur de gagner en fait du côté de Paris Eternal. C'est une situation qu'on a déjà vécue, on s'en souvient, contre Toronto, contre Houston, contre Florida. Paris avait fait de bons matchs et c'est finalement face à Washington Justice que Paris a eu le déclic où à un moment on est passé de « on peut le faire » à « on l'a fait ». On a gagné contre une équipe qui était favorite et il faut réitérer. Aujourd'hui, la Pharah de Naga, elle est belle et bien là. On va adapter la composition du côté de Paris Eternal. Naga qui met tout de suite la pression mais qui doit évidemment faire attention à DK. Ouais, il met la pression mais il se prend la max. Attention, la conflagration, elle peut mettre beaucoup de gens dans le vide. Allez mon petit bonhomme, une fois que… Ah, il l'utilise pour lui-même. Pour se repositionner histoire de pas tomber, mais ça s'inspire fortement des Chengdu Antlers, hein, ce qu'on est en train de voir là. DK qui tombe, on perd le mecha du côté de Fury, même si Nagatong a une résurrection possible pour le joueur de Pharah. De toute façon, on est au niveau du point de réapparition, donc gros avantage pour Paris Eternal. Et on a gratté 45 secondes tout de même du côté de Washington. Le problème, c'est que Paris a bien plus de pourcentage d'ultimate que ses opposants, en tout cas sur le plan offensif. Et t'as vu les mécaniques de Dridro sur la hanche là pour juste après la raise, Benny, hein. Comment il a Benny Jump sur la hauteur, ça croyez-moi, il faut en bouffer de la merci hein, pour pouvoir maîtriser ce genre de move dans une situation tendue comme elle l'était pour la hanche de Dridro. Paris Eternal qui pousse le pélo de Paris Eternal en contrôle, on peut le dire, et Dan qui réalise déjà un festival hein, sur son pic de confort et qui en plus va avoir le champ de mille. On pourrait coller, oh Fury le réflexe, monstrueux Onigod qui se fait bâche, mais qui va rester en vie. On va perdre le mecha juste après, la très belle absorption, et Vestola qui va se trouver, mais c'est pas, on rend la monnaie de sa pièce. Le champ de mine pour bloquer à la hauteur, et la Echo contre Pharah, c'est pas mal en tout cas ce changement du côté de Washington Justice. Assassin qui porte bien son nom, mais le convoi pour le moment est toujours en train d'avancer. Transcendance, forcé par Khan, on y croit, on force, on pousse du côté de Paris. Ah mais on force son jeu là. Déculotté, la transcendance, c'est à moins de prendre un kill derrière, il est solide, mais non, il va se faire récupérer. Ok, il y a la reste de Dridro. Il faut que Paris se regroupe là. Il faut jouer ensemble. La Valkyrie de Dridro a été claquée. Naga qui abandonne la Pharah qui est passée sur une sombra. Attention à Onigod qui est forcé de recall après un nouveau shield bash de la part de Closer. DK à la Sticky. Il va essayer d'aller connecter sur Dan, mais pas besoin. Dan il est déjà mort, a dit.
Ouais, et on force bien du côté de Washington Justice, on réagit bien, la légère modification, l'adaptation finalement de Washington, elle est belle. Du coup, Paris qui a forcé l'adaptation, s'adapte à son tour, avec Naga qui va jouer la Sombra pour probablement pulvériser Mag autant que faire se peut, indiquer au même un assassin qui vole trop loin. Bébé aussi ne devrait pas faire le gamin, je pense, hein, parce que dès que l'UM sera là, ça va évidemment être pour sa poire 200%. J'aime beaucoup, on joue au jeu du chat et la souris, mon bon Zaroïde. Et quand on voit les 5 ultis de Washington, on dit que Paris a encore pas mal de teamfight à blanc à réaliser. Aïe, 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 aïe. Perdre Dan, Khan, d'entrer dans une situation d'infériorité numérique ou presque, hein, puisque Onigod est parti à la chasse. Voilà, Onigod et Naga même, hein, sont tous les deux loin du reste de l'équipe qui s'est faite engager. Il reste 50 secondes. Et ça va pas être simple pour Paris Eternal quand on voit ce qu'il y a dans la banque des Washington Justice, qui a certes utilisé le ralliement, qui ne va pas non plus avoir de transcendance, en tout cas pas en early ni en mid-fight, mais on est à 50% de l'IEM, qui est l'une des win conditions des Paris Eternal, a dit. Tout à fait, une grosse win condition, plus il n'y a pas de ralliement, donc bébé, à part le peeling d'une matrice, va pas pouvoir faire grand chose. La transcendance pour go in. Ok, il faut prendre des kills dans ces cas-là du côté de Paris Eternal, et ça va être fait. On va d'abord détruire bébé, mais on va rendre la monnaie de sa pièce. Et évidemment, en plus de son Adridro qui succombe, on a plus de healer du côté de Paris Eternal. Il reste 11 secondes. Et j'ai l'impression que c'était le champ du cygne, cette attaque avec la transcendance. On a été kamikaze, mais pour pas grand chose malheureusement. Je comprends pas, l'appareil éternel pour moi qui se sabote un petit peu. On est en train de... pas de choke, mais je sais pas si on prend l'équipe de Washington Justice un peu à la légère, si on se voit déjà, si on est déjà en train de penser au match contre Dallas Yul, mais il faut aller la chercher cette victoire, et pour ça il faut être un petit peu plus discipliné, ne pas oublier les fondamentaux, ne pas claquer des ultis quand les teamfights sont perdus, ne pas non plus se split, ne pas oublier de jouer ensemble. Et là, Paris Eternal qui... Alors bon, si on suit la logique, Adibou, ils réussissent une map, ils foirent la suivante. Donc là, Route 66, bon bah, ça va pas être simple. Et puis à la limite, on pourrait partir sur une victoire en 3-2. Mais mentalement, tu te mets pas dans les meilleures conditions, hein, quand tu joues comme ça. Hein. Non, le jeu du yo-yo, forcément, il te met mal. Après, on pourrait dire la même chose de Washington. Donc c'est ça l'avantage aussi, c'est que pour le moment... En termes de forme, on n'est pas dans l'Olympique, on est plutôt dans le petit bassin, avec des hauts et pas mal de bas, des appels d'air finalement, et ce manque de solidité, de régularité qui peut faire mal. Et waouh, Fury, très bien, il absorbe ça tranquillou, et on va voir à nouveau le contest et la deuxième bombe qui a été absorbée par Monsieur Fury. Attention les yeux Paris. Là, la défense, elle a été quand même très bien exécutée pour Washington. On regarde la marque Wallace Horowitz, c'est un délire. Ouais, et là, va falloir être plus que solide, hein, du côté de Paris pour parvenir à l'emporter sur cette carte. Après, voilà, c'est Overwatch, tout est possible, tu l'as dit. Washington Justice peut montrer un bon comme un très mauvais visage. Assassin sur la fatale, c'est simplement pour mettre un petit peu de pression. On va jouer Mirror. Pas de écho, comme c'était le cas du côté d'Assassin sur la défense, mais bel et bien la composition ball, pluie de balles, Brigitte Zenyatta aussi, et très bien d'avoir quelques entry picks de la part de Khan. Attention au hack sur Onigod, il a été bien pile pour le moment, mais ça force quelques ressources, et le pélo d'avance à Dibou pendant ce temps-là. On n'a pas décidé de faire une défense haute, histoire de gratter 20, 30, 40, une minute. On décide vraiment de jouer au niveau du Big Earl, et attention parce que si jamais on perd le pseudo seul team fight, la contestation va être difficile. Onigod qui malheureusement va prendre la max avec l'orbe d'harmonie de Discord, pardon, plus un piratage, plus 10 caisses, ça fait beaucoup. Ken qui va évidemment être la cible de tous les colibets, et le pilonnage il fait mal. Il est très très solide, Assassin qui tue Khan. C'est fini, Paris qui vient normalement de perdre. Route 66, Zaroïd. Bah ouais, Onigod se fait récupérer, malheureusement derrière, Dike a le champ libre, hein, pour pouvoir s'exprimer, et on gratte en fait petit à petit du côté de Washington Justice. On joue autour d'un bon hack, on joue autour de ses win conditions, on ne se précipite pas spécialement, et on va partir en map 5
Adibou, let's go là-dessus, bah ouais. J'ai envie de dire, sur une nouvelle map de contrôle. Alors, c'est pas le style préférentiel, encore une fois, de Paris Eternal, mais ils nous ont montré le contraire sur la première carte sur Oasis. Espérons qu'on ait le droit au vrai visage de Paris Eternal et même le vrai visage aussi de Washington Justice, c'est pour vrai. Avoir un final en apothéose. Ouais, totalement. Est-ce qu'on ira du côté d'Ilios ou de Lijiang Tower? Eh bien, la réponse va tout simplement nous apparaître dans quelques instants. La traditionnelle pause et on se retrouve dans quelques minutes. On arrive au bout, Zaroïd, et les scores sont tout simplement fous. 2-0 sur la carte de contrôle. Ensuite, on perd 1-0, on regagne 1-0, on repère 1-0. Il y a des maintiens complets, full hold de toutes parts. Et on va devoir départager ces deux équipes eh bien, à la forme
assez étrange finalement. On n'arrive pas à rester solide sur ses appuis, à garder les jambes bien droites longtemps, que ça soit du côté de Paris ou de Washington. Ce qu'on veut finalement, c'est juste voir des équipes jouer à leur plein potentiel. Et ce plein potentiel pourrait commencer par Tsuna finalement, qui va démarrer la machine, enfin. Beaucoup de pression sur les épaules de notre Frenchy qui fait son entrée pour la cinquième et dernière carte, la carte décisive. Boostonne son pic de confort, c'est bien évidemment la Tracer, mais il peut aussi jouer quelques pics hitscan. On pense au McCree, on pense à la Widow dans certaines situations, le Hanzo aussi pourquoi pas. Et on va voir ce que va jouer Paris Eternal. On va surtout voir quel visage, tu l'as dit, Paris Eternal va montrer, car on est en cinquième carte. C'était déjà le cas à Dibou, hein, lors du premier match entre Paris et Washington. Il y avait eu deux matchs nuls, donc Paris l'avait emporté 3-0. Là, c'est plus serré, parce que Paris a quand même de sacrées difficultés sur une map sur deux, hein, concrètement, à jouer son jeu. Et on est quand même sur l'un des BO5, en tout cas l'un des FT3 qui part en 5 maps les plus rapides de l'histoire, hein, parce qu'avec tous ces full hauls, tu l'as dit, et toutes ces contre-performances, le match a commencé il y a 1h15, quoi. C'est un délire. C'est clair. Normalement, quand on va au bout du bout, le match peut durer un bon 2 heures, pour être honnête. Là, on est au bout du bout et ça fait 1 heure le temps que votre livraison arrive, ou à peine le temps de faire à manger si vous voulez vous régaler ce soir. Et bien que le match est quasiment terminé, on va aller du côté de Busan, et là au niveau des stats, eh bien, on peut voir que Paris est sur une victoire, 3 défaites, et que Washington Justice, quant à eux, eh bien, sont à 2 victoires, 2 défaites. Ça va être kiff-kiff, ça va être même totalement dans une sorte de miroir jusqu'au bout de la composition, mon cher Zaro. Puisque on va juste mettre les TP et reprendre les tresseurs, dive plus de balles à la manière des Chengdu Hunters. Ouais, attention, premier hack pour le coup qui pourrait être décisive. Attention au volet d'orbe également des deux Zenyatta, et c'est Khan qui va se faire récupérer la Discord, bien placée de la part de Bébé qui avait shooté dans un premier temps Khan, et derrière c'est évidemment DK, le carry de cette équipe qui va s'offrir un petit triple kill, le hat-trick de la part du joueur coréen, et la première cape pour Washington Justice. Ouais, c'est propre et c'est malheureux à la fois, hein. C'est tout petits pics qui font des très grandes différences, et là c'est Washington qui a bien ouvert le bal. Effectivement, on va voir du coup la position haute, Mac qui est sur la hauteur avec son Bulldozer prêt à pilonner et à offrir finalement un kill au reste de son équipe. On va venir prendre quelques pourcentages avec le poil à gratter, le fil à retordre d'un Tracer Sombra du côté de Paris. Mais on est bien évidemment solide sur ses appuis. Le shield bash, alors qu'on voulait venir tuer ce Zenyatta. Est-ce qu'on va s'en sortir? Non, Dan qui va finalement succomber. Mais on force tout de même la transcendance. Ouais, on force la transcendance. Mais Khan lui répond par l'appareil. Et on est en infériorité numérique ou presque. Et surtout, Fury s'est retrouvé un petit peu isolé. Donc on pourrait en profiter du côté de Paris Eternal. Mais le teamfight qui dure. Et ça tourne évidemment à l'avantage de Washington Justice, qui dépasse déjà les 40%. Qui va se replier après le kill sur Assassin. Et surtout la Sticky bien avalée par Vestola. Paris reprend le contrôle. Paris va avoir l'IEM. La Sticky, le ralliement, la bombe. Paris va avoir beaucoup de ressources. Mais surtout les positions aussi à Dibou pour envoyer l'IEM dans les meilleures conditions. Ouais, même positionnement du côté de Paris Eternal. On a vu que ça allait directement sur le point. Donc Dan ne se fait pas prier, il va venir contester lui aussi avec son Bulldozer. Tuna qui essaye d'avoir l'avantage, et ça va être fait sur la Tracer de son adversaire. Et on va se la raconter maintenant au niveau du centre-centre-ville de cette carte. On attend le moment opportun et ça va démarrer avec la première mine et le pilonnage à moitié manqué. L'IEM qui va venir silence DK, Mag et toutes les bombes qui ont été posées sur le point. L'IEM sur deux, surtout la magnifique Sticky de la part de Tsuna sur Bébé, c'est parfait. Paris Eternal qui remporte ce fight. Assassin a conservé ses ressources. Closer également le ralliement, hein. C'est un peu comme si on avait dit ok, vous allez avoir l'IEM, on vous laisse le claquer plus le ralliement, utiliser des ressources, et nous on va revenir avec un avantage. Des équipes qui à chaque fois se split pour pouvoir bait finalement et attirer l'attention de Paris sur le point. Et il est bon, il fait du bien, hein, ce boob de Dan sur Mag. Là, il va offrir 15-20% à Dibou. On en avait besoin du côté de Paris. Totalement, à mon avis, il voulait lui faire prendre le train et
était pas trop sûr de lui, Mag, Daniel Dimitri, let's go. Et Naga qui se fait avoir, est-ce qu'on a vu où était le transducteur, ou est-ce que tout simplement le piratage d'Assassin. Mais autant le kill sur Mag a fait plaisir, autant sur Naga il fait mal, parce que c'est toujours autant de pourcentage du M qu'on n'aura pas. Dan qui se fait go in, on va essayer de le sauver finalement, il doit se sauver lui-même avec la transcendance. Ah, il a paniqué un petit peu Khan, hein. Il y a l'IEM qui va arriver derrière d'Assassin et ça va être gratuit pour les Washington Justice qui vont peut-être ne même pas avoir besoin de l'utiliser. Et ça serait critique, hein, pour Paris Eternal en vue d'une recap, le hack sur Mag. Mais Mag qui va se débarrasser de Khan, ça y est, l'IEM a été envoyé de la part d'Assassin. C'est bien joué ça du côté de Paris Eternal qui force des ressources et qui devrait avoir l'avantage sur le prochain teamfight, puisqu'Adi, on est à 99% du côté du coq. Ouais, 99% de Naga qui va avoir l'IEM. Ça c'est très ok, il faudrait essayer dans le meilleur des mondes de forcer la transcendance de deux bébés. Mais il va y avoir le peeling de Fury, évidemment. Mac qui va avoir son champ de mine, l'autodestruction qui est également présente. Mais il y a un monde, il y a un univers dans lequel Paris Eternal peut remporter ce prochain teamfight et mener 1-0 sur Busan. Là au niveau des positions, on est sur le point du côté de Washington, il n'y a pas de chichi, on n'est pas sur la hauteur ou quoi que ce soit. On est prêt à en découdre. Oh non, Tsuna qui s'est fait isoler malheureusement et qui se fait récupérer ça. Paris Eternal va devoir faire un choix, temporiser et s'offrir un tout dernier teamfight, ouais, en situation de ça. 6 contre 6 ou engager rapidement, pourquoi pas profiter justement de l'IEM de Naga. Mais Naga il s'est fait repérer, il est forcé de Ricola out et face à Dick. Heureusement qu'on a le peeling derrière de la part de Dan. Mais Tsuna qui retombe une nouvelle fois, c'est du 1 pour 1 à Dibou. Allez, on a perdu les deux tracers. C'est pas mal, Yum qui va partir, le transducteur, on va attendre le meilleur des moments. Piratage à la main pour ne pas récupérer le mecha, mais c'est une position compliquée de 3v6 et on sera pas sur le point. Du côté des Eternaux, le champ de mine qui a fait mal. Et la contre, enfin la transcendance, dès qu'on a entendu la fin du camouflage thermoptique de la Sombra de Naga, là bébé il a vu juste. Et il a pas mal et sécurisé, on va dire, son équipe. Paris Eternal aux portes de la défaite. Base Mecha, il faut retrouver un second souffle. Peps du côté du coq. Les Washington Justice vont partir apparemment sur une composition rush. Les Paris Eternal sur leur composition qu'ils affectionnent particulièrement avec ce Hammond. Mais que c'est compliqué. Et il y a des erreurs qui sont faites partout, tout le temps, de la part des deux équipes. C'est vraiment un match. On sent que les deux structures jouent sous pression. Ouais, complètement. Et la pression aussi, encore une fois, sur Tsuna qui vient de rentrer et qui, deux fois de suite, s'est fait tuer en premier. Malheureusement, ça a empêché Paris Eternal de mettre en place son jeu. Oui, bon. Nouveau round maintenant, le hack qui est passé sur Mag. Est-ce qu'on va pouvoir en profiter? Attention à la téléportation dans le front. Il y a eu un boop, il y a eu un très bon boop de Fury sur Khan qui s'est envolé. Il n'y a plus de Discord. Et derrière, on se fait marcher dessus du côté des Paris Eternal par la composition rush de Washington Justice, a dit. Ouais, c'est logique, on a le TP, on veut pas être au contact du côté de Paris comme ce qu'ils avaient parfaitement réglé sur Hollywood finalement, mais là on est au-dessus, le pilonnage ne suit pas avec un roulé-boulé pour boop justement ses adversaires. Assassin met un mur parfait, l'équipe ne peut plus moonwalk et s'ils se parachutent, eh bien ils ont intérêt à être coordonnés, ce n'a pas été le cas. Pass Eternal chute, perd le premier point, Dridro qui se fait ouvrir et on force, on pousse la cocotte qui avance du côté de Washington. On n'arrive pas à setup hein, pour l'instant du côté de Paris. On se fait un peu outcomp en fait. On n'arrive pas à mettre en place son jeu. Ne surtout pas se faire delay du côté de Tsuna, du côté de Naga ou de n'importe quel joueur. Chaque pourcentage est important. Heureusement on est à 11%. Elle dit je sais pas. T'as été capé entre temps, ouais. Ouais. Mais bon. On sait ce genre ça de cap pire, éclair. Ça, limite la casse, mais ouais. c'est compliqué, Adi. Oh non bah. Ah bébé qui voit juste, qui se parachute parce qu'il sait qu'on va venir l'attaquer. Et juste derrière, il met son champ d'immortalité avec le meilleur des timings. Et toute l'équipe qui vient, ça rescousse. Évidemment, on va aider bébé comme dans tout bon jeu, dans toute bonne stratégie. Il faut pile les healers au maximum. Et maintenant, à 57%, les choses sont encore plus compliquées. Mais il y a un timing, Zaruid. Et le timing est le suivant. Avec IUM, Mine, Zenyatta, Transcendance, plus la bombe impulsion. Il y a un monde où ça va bien se passer. Mais le choc sismique est monstrueux. Vestola qui tombe. Mais
La contre-attaque ne se fait pas attendre. C'est parti, Assassin qui a le temps d'utiliser son blizzard. C'est dramatique en fait ce qui se passe. Oh là là, c'est contre. Et à chaque fois, c'est Washington Justice qui s'en sort le mieux. Le shatter sur Vestola, l'engage des Washington Justice. Derrière, contré par l'IEM de Naga. Il y avait effectivement le Blizzard, mais surtout le superbe mur du son de Closer juste après la transcendance de Khan et Washington Justice qui continue son opération destruction à Dibou. On n'a plus vraiment de ressources du côté de Paris. Mentalement, c'est très compliqué. On va aller déclencher l'overtime. Et Khan, une nouvelle fois, se fait récupérer. C'est Washington Justice à Dibou qui devrait aller affronter Dallas Fuel s'il remporte ce tout dernier teamfight. Oh, Mac qui a vu flou là, son choc sismique qui est totalement à côté, mais ça sera anecdotique. Et évidemment, le kill sur Closer aussi sera anecdotique. Il faut venir contester. Et Washington n'a plus qu'à focus proprement les cibles les unes après les autres. Et tant que le kill feed n'est pas blanc, eh bien ça sent mauvais. Il y a quand même le ralliement Naga qui prend un kill important sur bébé. Et on va succomber au fur et à mesure du côté de Paris Eternal qui réussit lors du tout dernier teamfight à renverser la vapeur. Incroyable. C'est et au moment où je dis ça, ça trouve un pic. C'est pas fait effectivement. Pilonnage parfaitement timé. Le boule sur Khan. Ok, Assassin qui va garder son Blizzard. Vestola de toute façon était en full matrice. Il faut que ces opérations là, c'est la panique hein, du côté un peu de Paris Eternal qui va se regrouper. Comme le teamfight a duré, on va avoir un IEM. Il faut se stabiliser. Il faut respirer du côté de Paris, des supporters également. On est encore dans le match. Adibou, grâce notamment à un ralliement de Dridro, Paris Eternal est en contrôle du point. Paris Eternal sur le pilonnage de Dan. L'IEM, il a été envoyé. Il connecte sur 4 et le follow-up, il est bon pour l'instant. Il faut continuer à forcer. Tunak attend mon portable avant de lancer sa bombe impulsion qu'il va finalement garder jalousement pour la prochaine escarmouche. Sachant que si jamais il arrive à la coller sur bébé ou closer et qu'on n'a pas le temps de lâcher un spell, eh bien on pourrait tout simplement encore une fois désynchroniser et gagner 10-15% supplémentaire. C'est bien vu, on garde son sang-froid. Khan qui a sa transcendance pour éviter le moins de pépins. Mais Vestola dans ce match, qu'est-ce qu'il prend la max? C'est un délire. Finalement, on va utiliser le champ de mine. Assassin qui est obligé. Ouais, il est obligé d'utiliser son mur pour s'enfuir. Mur du son de closer. Et on garde toujours son sang-froid du côté de Khan. Mais Vestola va perdre son mecha. La trans, dommage. On n'a pas le choix du côté de Khan, mais le choc sismique derrière, est-ce qu'il a connecté? La réponse est non. Dan a expulsé bébé, mais c'est 3 kills pour les Washington Justice. Il ne reste plus que Dridro et Khan qui vont devoir, et Dridro et Dan, pardon, qui vont devoir faire un travail colossal. La double D sur le point, peut-être le pilonnage, on temporise au maximum du côté du Hammond qui est seul, Adibou désespérément seul alors qu'on est en overtime. Vestola est de retour, Tsuna également. Est-ce que ça va suffire? Là, l'équipe parisienne qui arrive au fur et à mesure, mais les kills ne sont pas encore blancs. Peut-être. Pas le temps de pirater du côté de Naga. Il faudra toucher le point, mais Khan qui va se faire ouvrir le TP. Il est tellement intelligent du côté des Washington Justice. Et même si à l'IUM, on n'a peut-être pas assez de backup du côté de Paris, quoique Paris commence et on n'est pas sur le point. Oh là, ce dernier teamfight à l'image de ce qui s'est passé tout au long de la soirée entre les deux équipes. On a eu malheureusement la peur. On a joué avec une pression énorme, que ce soit du côté des Eternals ou des Justice. Et on ne va pas contester une dernière fois. L'UM manquait peut-être de follow-up, mais en tout cas, Tsuna avait commencé les hostilités en prenant un premier pic. Mais on s'arrêtera là. Dommage pour Paris, on n'a pas vu son meilleur visage. Washington Justice non plus. Mais à ce petit jeu-là, c'est la capitale américaine qui vient de battre la capitale française. Effectivement, Adibou, Washington Justice qui retrouvera donc Dallas Fuel pour le premier ticket direction Hawaï. Paris Eternal qui peut nourrir quand même quelques regrets. Washington Justice peut-être plus habitué aussi à faire déjouer ses adversaires. On l'a vu hier hein, contre les Los Angeles Gladiators. Les deux équipes n'ont pas joué leur meilleur match, mais à la fin, c'est Washington qui s'est imposé. Là aussi, ce soir, c'est le cas. C'est cruel, forcément, pour Paris qui a livré un summer showdown magnifique, qui réalise même une saison à Dibou au-delà de toutes les attentes, encore une fois avec clairement. Des moyens très moyens, coaching staff réduit, des joueurs éparpillés ici et là. On a vu hein, les Washington Justice, eux c'est la planche à billets, c'est définitivement la gaming house, tous les joueurs sont les uns à côté des autres, on les a vus se sauter dans les bras à la fin. Ça n'est pas le cas du côté de Paris. Peut-être que
Peut-être que ce soir, il a manqué un petit quelque chose, un petit brin de chance, un petit bien, un petit brin, pardon, aussi de... On n'a pas joué son jeu, malheureusement, du côté de Paris Eternal. En tout cas, pas de manière ultra régulière, un peu trop épisodique et pour une... Bah pour une place dans le Final Four, on va dire, de cette région ouest, la marche était un poil trop haute pour Paris. C'est dommage. Mais la saison continue et la saison, de toute façon, Adibou, elle est déjà belle du côté des Eternals. Bien sûr, bien sûr. C'est pas terminé. Il reste encore un mois de compétition. Après, il y aura les grands playoffs de cette Overwatch League. Rappelez-vous, c'est un véritable marathon, cette compétition. Donc oui, on ne garde pas sa ceinture de champion du Summer Showdown, mais ce n'est que partie remise. En tout cas, Washington Justice l'emporte. Félicitations à eux. C'était le tour de chauffe, on va dire, pour cette équipe des Justice. Maintenant, il va falloir taper très fort puisqu'ils vont devoir jouer contre les Dallas Fuel dans quelques heures. MVP d'ailleurs pour toi, à qui tu le donnerais ce titre de MVP, mon bon Zaruid? As-tu une préférence là côté des Justice? Ah, ma préférence, elle va pour DK ou Fury peut-être. Voilà, Fury qui a été clutch à plusieurs reprises, on l'a vu, hein, bait notamment les bombes d'Onigod à plusieurs reprises sur sa Tracer, avalé sur ce Blizzard sur Hollywood qui nous aura fait trembler jusqu'au bout cette carte. Washington, c'est peut-être aussi parce que Fury est vraiment monté en puissance sur les derniers matchs. J'avais notamment beaucoup aimé celui contre... c'est plus qui, où il avait été élu MVP là récemment sur le Summer Showdown. C'était contre... Voyons voir, on va regarder cette... Peut-être London Spitfire ou... Enfin bref, Fury, il est, contre Londres. Ouais, il est solide. Contre les Gladiators, c'était Naga qui l'avait remporté. Et contre Vancouver Titans, c'était Dan. Donc effectivement, ça remonte à un petit moment. Mais en tout cas, pour Fury, il a été très bon face au Florida Miami. Il a décroché justement son titre de MVP. Et c'est triste, on peut nourrir des regrets, on va pas se le cacher. Le regret n'est pas forcément dans la défaite. Le regret, je dirais, est plus dans ce côté de est-ce qu'on a vraiment eu le temps de jouer son meilleur jeu? Est-ce qu'on a vraiment pu montrer aux yeux du monde bien qui étaient les Paris Eternals en situation importante quand il s'agit de jouer des play-in, ces fameux knockouts pour aller à Hawaï? La réponse n'est pas forcément oui par rapport à tout ce qu'on a vu et toute la progression de l'arc Paris Eternals. Là, ce final, en tout cas dans ce tournoi mensuel, il a un goût amer. Ouais, il est forcément frustrant parce qu'il y avait un coup à faire. Cette équipe de Washington Justice n'était pas spécialement supérieure à Paris, mais Paris s'est mis à un moment à trembler. Paris s'est un petit peu perdu et cette équipe qui avait été tellement régulière depuis quelques matchs sur ses prestations, en tout cas régulière de manière collective, c'est un petit peu split. On a multiplié les erreurs et puis voilà, il y avait le facteur DK, le facteur également Fury du côté de Washington Justice et Washington qui poursuit sa route. Paris s'arrête là, Paris qui va pouvoir souffler évidemment. Adibou, la soirée continue aussi, voilà. Bien c'est sûr. Pas parce que Paris est éliminé qu'on va s'arrêter, on va rendre l'antenne. Non, il y a encore des Français et notamment un Français sur le prochain match puisqu'il s'agit d'Ascoft avec Boston Uprising, Boston qui va affronter Los Angeles Gladiators. On va faire un break, Adibou, et on se retrouve juste après.